La princesse à l'épée. Comme toutes les princesses, la princesse Ombeline aimait lire, chanter, jouer de la harpe et broder. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était s'entraîner au maniement de l'épée. Ses livres préférés racontaient les exploits des chevaliers. Les chansons qu'elle chantait célébraient les chevaliers, même ses broderies représentaient les chevaliers. Un matin, la princesse Ombeline dit au roi : « Père, je souhaite ouvrir une école de chevalerie pour les filles du royaume. » « Pardon, répondit le roi en s'étouffant avec un morceau de tartine. » C'est alors que le roi prit un air grave et dit : « Ma fille, le devoir d'une princesse est de représenter la gloire de son royaume. Elle doit être jolie, bien élevée, élégante, elle doit être un exemple pour toutes les jeunes filles. Elle doit... » Et pendant que son père parlait, la princesse Ombeline se mit à rêver. Elle rêva d'un périlleux combat avec de terribles dragons. La reine prit la parole. Bravo, Alphonse, dit-elle au roi. Vous avez parfaitement décrit ce que doit être une princesse. Et quel meilleur exemple pourrions-nous donner aux jeunes filles de ce royaume que d'être courageuses et sportives. Tu peux utiliser la salle pour faire ton école, ma chérie. Quelle bonne idée vous avez eue là, mon cher Alphonse. Le roi n'arrivait pas à se souvenir si c'était vraiment lui qui avait eu cette étrange idée. C'est ainsi que l'école de chevalerie de la princesse Ombeline ouvrit ses portes. Une première élève vint pousser la porte de l'école par curiosité. C'était la fille du boulanger du village. La princesse lui donna une épée en bois et sa toute première leçon d'escrime. Bientôt, toutes les jeunes filles du village entendirent parler de l'école de la princesse Ombeline et voulurent s'inscrire elles aussi. Pendant ce temps, les chevaliers du royaume menaient des combats sans merci contre l'armée de l'affreux Gros Sourcil. Gros Sourcil était l'ennemi juré du roi. Il vivait dans la vallée sombre et tentait, depuis des années, de s'emparer du royaume et de ses trésors. Il n'avait de cesse d'attaquer les chevaliers du roi. Mais heureusement, il n'arrivait pas à les vaincre. Et puis un jour, Gros Sourcil décida de changer de tactique. Pour s'emparer du royaume, il imagina une ruse diabolique. Il envoya un espion qui s'introduisit dans les cuisines du château. Celui-ci s'avança vers la marmite de soupe qui était préparée pour le repas des chevaliers et y versa un poison.
Les chevaliers avalèrent leur soupe et tombèrent tous très malades. Ils devenaient tout verts et avaient d'horribles douleurs au ventre. À l'aide d'une échelle, un soldat entra dans la cour du château et ouvrit le pont-levis. L'armée de gros sourcils allait pouvoir envahir le royaume. Ils sautèrent sur le roi et le ligotèrent sur son trône. « Tu es notre prisonnier !» s'exclama ce gros sourcil. Alertés par les cris des domestiques, les jeunes filles et la reine sortirent de la salle d'entraînement et les méchants tombèrent nez à nez avec une vingtaine de jeunes filles armées d'une épée tranchante. Ils furent tellement surpris qu'ils en restèrent sans voix. Comment osez-vous entrer dans mon château ainsi armé ? Demanda la princesse à gros sourcils. Elle s'élança sur les soldats, suivie des autres chevalières. Même la reine prit une épée. Elles étaient agiles et rusées et elles savaient à merveille manier leur épée. Les ennemis ne résistèrent pas longtemps et bientôt, ils furent tous ligotés. Les chevalières crièrent leur victoire pendant que la reine libérait le roi. « Ma fille, dit alors le roi, je te dois des excuses. La main d'une princesse est bien digne de tenir une épée. Sans toi et tes élèves, nous aurions été perdus. Vous êtes désormais les chevalières du royaume. »